Réaliser des fauteuils avec d'anciens pneus, des tables avec du bois recyclé, c'est le défi que s'est lancé les petits débrouillards cet été. J'aime bien faire des meubles et c'est amusant. On préfère mieux les petits débrouillards parce qu'on joue un petit peu et on s'amuse bien. Clouer, poncer et assembler, chacun met la main à la pâte pour construire ces meubles d'extérieur qui resteront à la disposition des habitants tout l'été. Ces activités ludiques sont ouvertes à tous, il s'agit avant tout de découvrir ensemble. On n'est pas forcément menuisier, il n'y a pas quelqu'un qui va nous dire c'est comme ça qu'on va faire, on n'a pas un mode d'emploi, on y va et on les laisse découvrir. Du 15 au 18 juillet, les petits débrouillards s'installeront à Bricquigny, l'occasion pour les habitants de ce quartier de découvrir de nouveaux ateliers.